Bonjour. OK. Pour cette activité aujourd'hui, moi, je vais raconter l'histoire du morse caillou. Oui, OK. Vous écoutez, oui. Et après une, deux ou peut-être trois phrases, oui, vous allez voir une question, oui, une question de choix multiple, multiple choice, oui. Et vous voyez, vous regardez des images différentes, oui, des images, et vous sélectionnez l'image qui correspond aux phrases précédentes, oui. So you're choosing the image that corresponds to the sentences that you just heard read from the story, okay? D'accord? C'est très facile. Okay, bon, on y va. Une fois, il y a un ours qui s'appelle Caillou. Il est beau et très fort, mais il est aussi trop gros. Caillou a les cheveux verts et les yeux noisettes. Il porte un chapeau et un monocle. Caillou n'est pas courageux. Au contraire, il est un peu lâche. Il est fou ou dingue, impoli et paresseux parce qu'il n'aime pas travailler. Mais il est aussi sympa et drôle. Le morse habite dans un gros ananas qui est sur un caillou. Le caillou se situe sur l'eau au milieu de l'océan. Mais Caillou est malheureux. Pourquoi? Parce que Squidward menace de jeter Caillou de sa maison. Alors, Caillou décide de bouger sa maison. Il a besoin d'un ami pour l'aider à bouger sa maison. Alors, Caillou chante la chanson de Krusty Krab Pizza et SpongeBob apparaît. Caillou et SpongeBob réussissent à bouger la maison de Caillou. SpongeBob décide de rester près de Caillou. Alors, il construit un gros ananas qui est lié au gros ananas de Caillou par un tunnel. Les deux amis mangent beaucoup de Krusty Krab Pizza ensemble et ils sont très heureux.